بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Exercice numéro 10 sur le cours des systèmes de deux équations, niveau 3e année collégien, Royaume du Maroc, l'année scolaire 2019-2020. X et Y, deux nombres réels. Résoudre le système suivant. 3x moins y moins 1 sur 3 moins 2 sur 7 est égal à 4x moins y moins 6 sur 21. 1 moins 7x moins y sur 6 moins 5 sur 18 est égal à 3x plus y moins 1 sur 9. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données. Puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez résoudre ce système. Maintenant, on commence la correction ensemble. Réponse. X et Y, deux nombres réels. On a le système suivant. 3x moins y moins 1 sur 3 moins 2 sur 7 est égal à 4x moins y moins 6 sur 21. Puis 1 moins 7x moins y sur 6 moins 5 sur 18 est égal à 3x plus y moins 1 sur 9. Ça c'est y. Quelle est l'étape suivante? Oui, avant de penser à la combinaison linéaire ou à la substitution ou autre chose, il faut d'abord simplifier l'écriture de ce système. C'est-à-dire, pour la première équation de ce système, je peux rendre les dénominateurs communs. Vous avez devant vous le dénominateur 3, ici le dénominateur 7, ici le dénominateur 21. Donc le dénominateur commun, ça sera, oui bien sûr, 21. Ça donne 7 facteurs de 3x moins y moins 1 sur 21 moins 2 fois 3, 6, 7 fois 3, 21, qui est égal à 4x moins y moins 6 sur 21. On va faire la même chose pour l'autre équation. Vous voyez ici le dénominateur 6, puis le dénominateur 18, puis le dénominateur 9. Donc le dénominateur commun, ça sera, oui, 18, puisque 18 est un multiple de 6 et 9. Donc ça donne 3 facteurs de 1 moins 7x moins y, le tout, sur 18. Moins 5 sur 18, qui est égal à 2 facteurs de 3x plus y moins 1 sur 18. Et maintenant, on peut se débarrasser de ces dénominateurs. Voilà. Donc le système va prendre une forme plus simple en comparaison avec la première. Donc, en même temps, on va développer les produits qu'on a. 7 facteurs de 3x, c'est 21x. 7 fois moins y, c'est moins 7y. 7 fois moins 1, c'est moins 7. Puis, moins 6 est égal à 4x moins y moins 6. 3 facteurs de 1 moins 7x moins y. 3 fois 1, c'est 3. 3 fois moins 7x, c'est moins 21x. 3 fois moins y, c'est moins 3y. Puis moins 5, qui est égal. 2 fois 3x, c'est 6x.
2 fois y, c'est 2y. 2 fois moins 1, c'est moins 2. Et on continue la simplification en regroupant les x entre eux, les y entre eux et les connus entre eux. 21x, ça c'est égal, moins 4x, moins 7y, plus y. Ici vous avez moins 6, ici moins 6, donc je peux les éliminer toutes les deux. Et en même temps, je vais déplacer moins 7 sous moins 7. Je vais les déplacer à l'autre côté. Ça donne plus 7 ou 7. Voilà. Et pour l'autre équation, moins 21x, moins 6x, moins 3y, moins 2y, qui est égal à moins 2, plus 5. Moins 5 s'est déplacé à l'autre côté, c'est plus 5. Puis 3 s'est déplacé à l'autre côté, ça deviendra moins 3. Voilà. 21x moins 14, moins 4x plutôt, c'est 17x. Moins 7y plus y, c'est moins 6y. C'est égal à 7. Moins 21x moins 6x, c'est moins 27x. Moins 3y moins 2y, c'est moins 5y. Moins 2 plus 5, c'est 3. Et 3 moins 3, c'est 0. Maintenant, je continue. Ici, je peux penser à la combinaison linéaire ou à la méthode de substitution. Donc, je vais utiliser la méthode de combinaison linéaire pour éliminer y. Donc, je vais multiplier ici par 5, ici par moins 6. Ça donne 17 fois 5, 7 fois 5, 35. 1 fois 5, 5 et 3, 8. Donc 85x moins 30y. 7 fois 5, c'est 35. Moins 27x fois moins 6. 7 fois 6, 42. 2 fois 6, 12. Et 4, 16. Moins avec moins donne plus. Plus 30y moins 5 moins 6 fois moins 5y, c'est 30y, et 0 fois moins 6, c'est 0. Donc je vais sommer ces deux équations membre à membre, ça donne 80x moins 30y plus 162x plus 30y est égal à 35 plus 0. Ici, on a deux nombres opposés, leur somme est égale à 0. On va sommer 85x plus 162x. C'est 247x. Soixante plus 80, c'est 240, et 2 plus 5, c'est 7, donc c'est 247x. Voilà, c'est bon. Voilà. X est égal à 35 sur 247. Il faut s'habituer à beaucoup de calculs dans le système. On aura la plupart du temps, beaucoup de calculs à faire ou à réaliser pendant la résolution du système. Maintenant, on va calculer y. Je peux encore utiliser la méthode de combinaison linéaire pour chercher y.
Donc je vais multiplier ici par 27 et ici par 17. Je m'excuse. C'est-à-dire vingt-sept fois 17x, c'est 459x. 27 fois moins 6 égale 6 fois 7, 42. 6 fois 2, 12. Et 4, 16. Voilà. 27 fois 7, 7 fois 7, 49. 2 fois 7, 14. Et 4, 18. 17 fois moins 27x, c'est moins 459x. 17 fois moins 5, y. 7 fois 5, 85. Je m'excuse ici. C'est 85, je pose 5. Et 1 fois 5, 5. Et 3, 8. Oui, c'est ça. Je répète. 7 fois 5, 35. Et 1 fois 5, 5. Et 3, 8. C'est bon. 0 fois 17, c'est 0. Maintenant, je somme ces deux équations membre à membre. Donc, 459x moins 162y moins 459x moins 85y est égal à 189 plus 0. J'ai deux nombres opposés, c'est ce nombre et celui-là, et il me reste moins 162y moins 85y. Oui, c'est moins 247y, qui est égal à 189. Y est égal à 189 sur moins 247, c'est-à-dire moins 189 sur 247. Ça, c'est là la valeur de Y. Conclusion. Le couple. Je commence par X, il est là. 35 sur 247. 35 sur 247 moins 189 sur 247. 247. Et la solution, unique de ce système. Et c'est terminé. Cet exercice a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourzeitoun Marrakech. Au revoir.